tout le monde et bienvenue sur le blog Business is my religion. Donc aujourd'hui je suis dans le nord, donc c'est pour m'occuper d'un de mes appartements qui se situe là-bas. Donc je suis parti faire les travaux, une partie des travaux moi-même, donc je suis nul en travaux, je sais même pas planter un clou. Mais bon, j'ai voulu rentrer en immersion, apprendre un peu avec un de mes amis qui s'y connaît très bien. Comme ça, ça me permet de palper un peu le coût des travaux, de mieux comprendre comment les choses se passent. Bon, là, c'est juste une expérience pour moi-même. Donc, si vous avez l'occasion de le faire et que vous avez un peu de temps, je vous encourage à le faire. Et tout à l'heure, je vais vous montrer un peu l'avancée des travaux suite au départ de mes locataires. A tout de suite. Donc voilà, les travaux sont terminés. Faire quelque chose de bien, ça coûte pas forcément cher. Il faut, il faut savoir fouiner, il faut regarder où vous pouvez trouver des choses intéressantes et pas chères. Donc vous avez pas mal de grands magasins comme le Roi Merlin, Casto, etc. Il faut fouiner un peu et après vous avez un résultat, vous pouvez obtenir un résultat relativement sympa pour pas grand chose. Donc évidemment, je n'ai pas fait tous les travaux seul. J'ai fait appel à un artisan à la fin pour qu'il puisse me poser le parquet pour certaines petites bricoles comme ça que bon bah voilà, ça je ne sais pas du tout les faire. Et si je les avais posés moi-même, ça n'aurait pas été terrible. Et à mon avis, j'aurais fait des dégâts. Donc j'ai eu pour un total pour la rénovation de un total de 3000 euros tout compris. Donc je pense que c'est relativement correct, peut-être un petit peu moins de 3000 euros, je pense que je suis à peut-être 2800 euros, quelque chose comme ça. Mais voilà, j'ai créé beaucoup plus de valeur pour 2800 euros, je vais pouvoir louer plus cher, plus longtemps, et forcément bah, je vais récupérer cet argent-là sur le long terme. D'autre part, le fait de passer, puisque j'étais en location nue, le fait de passer en location meublée non professionnelle, cela me permettra de ne pas payer d'impôts sur cet appartement, et ça c'est super important.
Donc voilà, il faut savoir peut-être perdre un petit peu au change au début, parce que par la suite, forcément, on va pouvoir se rattraper. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo. Est-ce que vous auriez fait la même chose que moi? Est-ce que vous auriez refait comme ça? Ou est-ce que vous auriez juste mis un coup de peinture avec des choses basiques pour pouvoir remettre à la location directe? Qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place? Donc voilà, laissez-moi des commentaires, partagez cette vidéo si elle vous a plu, posez-moi vos questions, je vais y répondre. Et si vous voulez apprendre à investir dans l'immobilier comme moi je l'ai fait, je vous invite à télécharger gratuitement un extrait du séminaire Investisseur Immo Exigeant qui sera juste en dessous dans la description. C'est pour vous, c'est gratuit. Et si vous voulez approfondir encore les choses, vous avez la possibilité d'acheter la totalité de ce séminaire. Donc c'est un séminaire qui était vendu à peu près 400 euros, un peu plus de 400 euros la place. Donc les gens ont assisté pour à peu près 400 euros. Vous avez la possibilité de l'avoir pour beaucoup moins cher. Donc je vous laisse télécharger votre extrait gratuitement. C'est un extrait de 40 minutes. C'est pour vous, c'est cadeau. Et je vous dis, n'oubliez pas, passez à l'action parce que demain c'est pour les faibles. Ciao tout le monde.